vie ce qu'il le faut, puisque tu pars sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins, je me prépare. La bonté libre, Jésus venu pour acheter l'âme, moins par la grâce. La Amen.
Maman, je nous remercie tout pour chaque présence. Maman, qui présente en finirai. Oh, c'est nous qui l'assume. Oh, Dieu. Je nous remercie pour chaque homme qui est déplacé. C'est nous qui avons des hommages. Et je dis à ce compagnie d'aller. Mais demain, c'est un autre. Oh Dieu, ça fait nous connaître, nous avons un jour pour nous aller. Oh Dieu, si quelqu'un nous là qui est venu perdu, oh Dieu, nous capable de profiter de l'occasion, ça, nous capable d'entrer en bas ensemble. Parce que c'est là qu'il y a la vie qui va me chanter. Tant qu'il paie avec nous. On contrôle, oh, chaque démon, oh, oh Dieu, chaque prise du diable, l'amour. Je vais mettre tout le bagaille, oh, car sous contrôle du Saint-Esprit, oh Dieu, avec nous, Père. Je vais mettre tout entre tes mains, nous allons prier, nous allons ça pour nous dire. Mais Père, nous connaissons du Saint-Esprit là, tout bagaille aussi. Oh Dieu, avec nous pour ça, nous allons dire, dans les noms du Seigneur Jésus-Christ. Amen. J'ai entendu parler des pays si lointains. C'est une belle maison pour l'âme, édifiée par Jésus. La plus de vieillesse,
psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Oui, papa. Avant que la montagne fisse née et que tu puisses créer la terre, le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux. Comme les jours d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille la nuit, tu les emportes semblables à un songe. Qui le matin passe comme l'air. Elle fait rire le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil que nous tire n'est que peine et misère de nos mains. Et la flèche qui vole des jours, ça va. Oui, a fermé l'ouvrage de nos mains. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous, a fermé l'ouvrage de nos mains. Oui, a fermé l'ouvrage de nos mains. Parole du Seigneur. Amen. Sans oublier l'éternité, êtes-vous l'ultime. Notre vie est un voyage constant, de la naissance à la mort. Le paysage change, les gens changent, les besoins se transforment, le train continue. William Genesius, né le 19 octobre 1943. Et là, laissé sa pipe le 27 juillet 2024 à l'âge de 81 ans. Après avoir supporté une courte maladie courageuse, sa maman et son père étaient Catherine Jonassin et Divine Généus. Liliane Généis, dès sa jeunesse, elle avait rencontré Albert Garçon. De là étant, elle a mis au monde deux filles. Elsie Généis, aînée de la famille, et Adeline Généis. Liliane, c'était une cultivatrice. L'idée de travail, l'ennui, parce que toute rêve lui c'était ouais, des petites filles, des petites filles t'es grandi l'amour, respect à sagesse littéralement. Ouais, toute famille et l'idée conseiller pour tout le monde, quitte cette famille, quitte ces étrangers. Liliane pas de guerre.
Seigneur Macan. C'était un flamme voyant. Maman m'a toujours dit, l'aime t'a grandi, c'était Liliane qui t'est levé. Qui t'étoile depuis son drame. Il fait tout ça devant, des lits pour lui. Il mettait l'école, l'école lumière, il baptise. Maman chérie, c'est pour ça aller. Maman, allez, je dis à l'heure. Maman chérie, allez. Premier bébé, maman, maman. Papa, il baptise. Maman, oh maman, 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 adieu, Liliane, que la terre nous soit Liliane. Jésus qui est pris la croix, sans nous dévestira, la lumière.
dans le nom du Seigneur et sauveur sujet sur la paix des yeux. Sache que tu es fragile. Psaume 39. On va lire le verset 5. Psaume 39, verset 5 et verset 6. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de ma main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, l'homme se promène, tout homme debout n'est qu'un souffle. Je réponds. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Puisse le Seigneur ajouter ses riches bénédictions à cette portion des écritures pour notre édification au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Que tu es fragile. T'as aimé que tout le monde bénéficie de ce serment. L'homme vient des fois. Et des fois, penser qu'il est puissant sur la terre, qu'il est fort, et parfois, dans certains cas, il se comporte comme tout puissant, comme s'il était tout puissant. Parfois, l'homme se sent orgueilleux, supérieur. Parfois, nous comportons comme supérieur à l'autre. Parfois, nous pensons que tout le bagage va aller bien parce que nous avons l'argent, parce que nous avons mangé, parce que nous avons connaissance, parce que nous avons une grande relation, parce que nous avons une petite couleur. Mais je vais vous rappeler cet après-midi que l'homme est fragile. Alléluia. L'homme est fragile. Ce que vous voyez là, c'est de la poussière de la terre. C'est de la boue. C'est enveloppe, ce corps physique. C'est de l'argile. Oui, vous m'êtes occupé comme ça, j'en suis capable. Et on a quitté l'enveloppe ça, et puis pour aller. La question qu'il a posée, question pour vous, pas pour la sœur Liliane qui est déjà partie, mais pour vous-même, avec moi-même, qui connaît non à faire, qui direction la prend, l'âme de l'homme, qui créé à l'image de Dieu. Qui côté n'en a pas les? Après-midi, c'est la grande question. Qui côté n'en a pas les? Si vous quittez comme ça. Qui direction pour apprendre? Est-ce qu'elle peut aller dans la sixième dimension, sous l'autel de Dieu? Ou bien, est-ce qu'il peut aller dans la région de l'année, dans la cinquième dimension, côté les perdus trouvés? Pour aller en paix, comme disait Siméon, maintenant Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller en paix. Parce que Dieu va saluer, saluer et préparer. Est-ce qu'on peut aller en paix? Ou dit comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. Est-ce qu'on va aller en paix? Est-ce que Dieu va saluer? Est-ce qu'on est en paix avec le Créateur? Parce que le péché mettait nous en unité avec mon Dieu.
pour aller en paix. Écoutez, pour aller en paix, femme ou te nourrir dans nous, non avec les produits morts, mais avec produits vivants. Qui est le pain de vie, qui est la parole révélée, en notre temps, la parole de Dieu. Alléluia. Si vous prenez parole là, si vous nourrissez non vous avec la parole de Dieu, si vous faites volonté mon Dieu, si vous mourrez, vous pouvez aller dans la sixième dimension, en bas de l'autel de Dieu. Après midi en piacha, tout le monde là. Ton ego fragile. Tout le monde là, ton ego fragile. Moi-même qui parle là, moi fragile. Est-ce qu'on est fragile? Amen. Ou c'est poussière terre? Ou c'est l'argile? Ton ego fragile. Nous tous qui là, c'est des personnes fragiles. Il y a une mauvaise nouvelle. Car vous y allez. Parce qu'on fait de la poussière de la terre. Ils ont qu'elle fait mal. Qu'a brisé le vase d'argile là. Ils ont qu'elle fait mal. On nous le l'angoisse. Ils ont opération. Qu'a fait pour aller. Mais après-midi, souffrage comme ça. Qui direction dans moi pour qui préparation ou fait? C'est là notre grande question. Qui direction ou apprend? Et ma vie est comme un rien devant toi. Parce qu'il est une être éternel. Vous vivez 10 jours, 15 jours. Vous vivez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Son petit dire écoute, qui ne parle de rien devant le Dieu éternel. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. C'est qu'on lampe, ancien lampe tête guide à faire fou, ou souffle qui éteint. Ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle, ou faire fou. Et puis c'est fini. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Tant qu'on l'ombrage va passer là, on va raconter le fait. Tant qu'on petit fleur va passer matin, après qu'il va raconter le fait. L'homme se promène comme une ombre. Il s'agit vainement. Vanité. Des vanités, tout n'est que vanité. Quel que soit l'effort fait, l'effort économique. Il faut intellectuel, dans quel que soit niveau, hein? À qui ça va aller? À combien de cailles on va aller? À combien de machines on va aller? On va aller à rien. Au besoin de provision, qui est la parole de Dieu, qui c'est esprit et vie. Donc la parole de Dieu, on va vivre éternellement. On va ramasser. T'as recueilli. Et ça, nous va le faire avec elle. Pourquoi dire mon Dieu de travail en pile? Des professeurs de forme, des font pile coup. Oui, tu vois, vous avez été dans pile cause. Pas gagné, salut en aucun autre. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Pas gagné, innocence en dehors de Jésus-Christ. C'est lui l'agneau innocent. Qui a pris notre place au calvaire. Et ça, il faut bien servir et accepter. Pour pas accepter, on regrette quand même. Pour pas soumettre à sa parole, on regrette quand même. Pour pas suivre les principes de la Bible, on regrette quand même. Sache que tu es fragile. Donc, à qui était à n'importe quel moment, c'est Jésus, il vit 80 années. Par la grâce de Dieu, elle avait couronné sa vie en acceptant le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. À n'importe quel moment, nous allons aller.
N'importe quelle façon, nous allons aller, nous ne connaissons pas comment nous allons aller. Est-ce que vous allez en paix? Si un Christ cardiaque prend dans la prière, est-ce que vous allez en paix? Si un bon petit l'eau, est-ce que vous allez en paix? Est-ce que vous allez en paix? L'homme est fragile. Ou même qui sans Christ, n'invitez-vous pas en Christ parce que l'homme est fragile. Que Dieu console la famille éplorée. Ou même qui dans douleur atroce. Que le Dieu de toute vraie consolation vous console. Ou même qui attristé. Ou même qui sans Dieu. Que Dieu fait un homme fragile et pour remettre la vie au Seigneur. Que le Seigneur bénisse richement. Ou même par présence, il est venu encourager la famille. Présence ou très utile. Présence ou son rapport de réconfort à la famille. Que bon Dieu console les familles. Que bon Dieu bâille force à chacun. Et que le Seigneur permette de nous tirer le son après midi. Que nous fragiles, pour nous bien compter jour. Pour nous vivre pour le Seigneur. Parce que tôt ou tard, on va paraître devant. Et on accepte. On voulait dans les parler de lui. On va parler de parler de lui. Yes. Oui. Qu'on aime, on va aimer. On va servir ou pas servir. Il se lèvera le dernier sur la terre en tant que juge. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Recevoir comme avocat. Et lorsqu'il va agir, c'est juge ou roi qui va avocat. À ce moment-là, Amen. Oh my. C'est l'avocat ou de rien qui va juger ou non, monsieur. Aux âges, il t'appelait le mot encore. Que le Seigneur bénisse. Vous êtes fragiles, nous sommes tous fragiles. Préparons-nous pour pouvoir aller. Que Dieu vous bénisse et vous console au nom de Jésus. Amen. Oh, my God.
Amen. Son grâce, son faveur est ferme. Malgré les problèmes, il fait vraiment nos grâces. Pendant que tu es là, avant de te mourir, est-ce qu'elle n'a pas l'autre message là? Ou t'as accepté, ou t'as prié, et malgré ton fils, nos pères ont souffri, ou t'es chanté, ou t'es bon Dieu, non, pas de rien, pas qu'à faire. Oh maman, nous permettons dans tout ça, avec même chose à. Pas de rien ou pas qu'à faire. Pas de rien ou pas qu'à faire. Mon Dieu, amis, mes amis, je me sens du plus. Travail des familles en prière. Oh, si nous rassemblons les maladies. Que bon Dieu la vie a béni chaque monde qui est dans sa vie. Tes amis. Après-midi. Moi, je suis là. Je suis capable de remercier tout le monde. Je m'a changé. Leur a descendu certificat, une série de mots de remerciements et de bonnes fêtes nous dit. Leur vivait encore dans la philosophie, leur a descendu des gars qui bagaillent dans la terre. Des mots de remerciements. Chaque monde a vu ensemble, leur a dit non, là. Mon cher, tu es habitué de ça, nous avons fait ensemble. C'est vrai, je ne sais pas qui est grand master pour gagner, mais quand même, dans grand master, il a quitté. Oui. Nous avons des mots de remerciement quand même. Oui. Même des amis, ils ont rencontré en route. Ils ont un mot de remerciement, ils ont dit. Ils ont dit, nice to meet you. Et après-midi, je ne dis pas malheureusement, je dis bien heureux. Je dis heureux. Pour qui ça? Les mauvais la parole fait me connaître, la mort c'est mon gain. Et les nappes gardées, dit comme ça, nous serons tous assis à la table du maître. Oui, nous avons espérance ça. Devant bon Dieu la vie. Tout le monde confessé, il se met là. Après, pas bien. Avant, pas bien. Alléluia. Oui. Après-midi, nous disons bon Dieu merci. Nous disons bon Dieu merci. Ah, ok. Yeah. Nous disons bon Dieu merci. Parce que vous devinez là. Zami. Neveu, nièce, petite, belle-fille, voisin, voisine, famille allongée, relative, sous-tablée, zami loin, zami près, nous remercions parce qu'on est là. Or, cérémonie initiale, ça, où est aussi déclaré. Et que Seigneur a lui-même, dans l'amour, dans la grâce, dans la compassion, qu'a vous eu. Et vous-même qui là, qui beaucoup que Jésus, pas qu'il y ait des moments ça a passé pour pas vous prendre Jésus, comme maître et sauveur personnel. Je suis pasteur qui nous a dit, on a besoin de cadeau, on a besoin de niveau, mais on sait que nous voulons la carrière, accepter Jésus comme maître et sauveur, qui est bon Dieu béni. Amen. Nous bénissons pour la soupe. Nous remercions pour chaque monde. Nous bénissons le Saint-Esprit. Nous bénissons le Saint-Esprit.
Si vous pouvez me consoler, vous va consoler. Parce que c'est bon pour nous pleurer à sa capleur, pour nous réjouir à sa capleur. Nous montons nous pleurer avec vous. Nous montons grâce à couvrir. Papa vos forces, papa vos courage, que papa aussi monter et commencer. Malgré nous connaître, c'est un moment que je vous dis. Oh, chaque fois nous mettons le monde qui chère la famille. Nous demandons au vent secourir. Nous allons le déplacer. Oh, avec ces caisses-là. Nous demandons que les anges soient autour de ces caisses-là. Et qu'on va se lever pendant 72 heures d'état. Et Satan qui va anéantir. Oh, ben Céleste. Nous allons être transformés de terre. Oh, on va protéger nous. On va garder nous. Et nous allons tout pas garder les amis au nom de Jésus-Christ. Celle qui vit, qui a aussi des saints. Et pour toute l'éternité. Amen. Thank you.
Merci. Ma poubelle, mon défenseur et mon berger. Chantons, chantons d'un cœur joyeux. Et quand amour du Rédempteur, il vient à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Chantons, chantons des cœurs joyeux, le grand amour du Rédempteur, il vient à nous des cieux et nous sauva du destructeur. Nous remercions le Seigneur, le maître de la vie. Il te bâle, il prend, nous dit que nous le bénis. Selon la parole infaillible de Jésus-Christ, il dit il est poussière, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Il était aux hommes de mourir une fois après pas bien. Il y a le jugement. Et nous connaissons par exemple première résurrection, ceux qui meurent en Jésus-Christ. Je vais vous réciter un certain matin, le matin de la résurrection. Ainsi, suivant la parole infaillible de Dieu, nous allons déposer dans la tombe le corps de la sœur Liliane Généus, que ce corps pourrisse, devienne poussière au nom de Jésus-Christ, et que l'irait tant de moments glorieux de la résurrection, la première résurrection. Père Céleste, merci Seigneur. Je veux que Sœur Liliane te vive sur cette terre. Je veux que te reconnaître comme maître et sauveur. Je te mettons dans la ville, je te prends parole. Et nous remercions Seigneur, parce que tout ça exprime l'infaillibilité de ta parole. Et le corps va tourner dans la poussière. Mais nous sommes certains que la tombe pas capable de retenir selon tes promesses, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'Arcange. Au son de la trompette, descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui sont restés, nous serons tous changés pour aller en rencontre du Seigneur dans les airs. Que ce corps pourrisse dans l'attente de ce grand matin de la première résurrection. Je crois que tu es là, tu marches auprès de moi, oui ça j'y crois. Je crois bien que tu restes à côté dans l'autre pièce. Oh oui, ça j'y crois. Je ne crois pas à l'enfer de te voir là sous la